Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous allez venir vous entraîner avec moi. Pour ceux qui le savent, j'ai arrêté la salle. J'en avais parlé sur Insta. En fait, en gros, j'ai plus le temps de tout faire. Donc, il faut faire des choix. Donc, j'ai choisi d'arrêter la salle. C'est pas pour autant que je ne m'entraîne plus, loin de là. C'est juste que maintenant, je vais aller m'entraîner en extérieur. Je vais aller m'entraîner à la maison. Puis en plus, la salle, ça commence à me gaver un petit peu. Quand je vais m'entraîner en extérieur, ça me permet à la fois de m'organiser pour que mes chiens puissent sortir, etc. Donc, bon, c'est du tout en un. C'est du 2 en 1, pardon. Voilà, donc je voulais vous dire ce que j'emmène pour m'entraîner. J'emmène mon TRX et puis quelques élastiques dans mon sac à dos et c'est tout. Et vous allez voir qu'on peut s'entraîner complètement. Je vous avais déjà fait des vidéos avec Benjamin sur 10 exos aux élastiques, 10 exos au TRX. Donc voilà, vous allez voir ce que moi je fais. Là, j'ai fait pas mal de haut du corps, donc je vais peut-être essayer de taper un peu dans les jambes aujourd'hui. En gros, l'idée c'est que je vais me balader jusque l'endroit où je m'entraîne, et puis ensuite je cours pour rentrer. Voilà, donc tout simplement, c'est vraiment tout bête. Ça m'aide à avoir une meilleure gestion du temps, ça m'aide à pouvoir tout faire. Genre une très très grosse année, donc là je suis en train d'essayer de me mettre dans le rythme. Et puis voilà, donc j'espère que ça va vous plaire, et puis je vous dis à tout de suite. Je viens de finir de m'entraîner, donc ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de TRX, donc je suis un petit peu rouillée. Je voulais pas montrer, mais il y a aussi les petits bancs d'entraînement là, comme ça. Enfin, c'est pas des bancs d'entraînement, mais moi je m'en sers comme un banc d'entraînement pour faire tout ce qui est fente, sauter et tout. C'est génial. En hiver, un peu moins parce que ça glisse. Je me suis déjà fait une cheville comme ça, donc je vous le dis. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, là en gros, on a marché pendant 1 heure, les loulous se sont dépensés. Moi, je me suis entraînée pendant 45 minutes. Je vous ai filmé des trucs, mais c'était vraiment galère. Je pense que si ça vous intéresse, la prochaine fois, je prendrai quelqu'un. Un, c'était galère parce que ça faisait un bout de temps que j'avais pas fait TRX, donc faut s'y remettre tranquillement. Et deux, c'était galère parce que les angles pour la caméra, c'était pas fou. Donc, si ça vous dit, je prendrai quelqu'un quand je serai un peu plus rodée, donc je sais pas, dans 3 semaines, quelque chose comme ça. Voilà, donc là je vais partir pour courir jusqu'à la voiture, j'en ai pour à peu près 5 km, quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai l'épaule qui crame, je voulais faire que les jambes mais au final j'ai fait en full. Je vous ai filmé quelques exos, mais encore une fois comme je vous le dis, vous avez sur ma chaîne 10 exos avec des élastiques et 10 exos avec le TRX. Donc voilà, et je pense que je ferai une vidéo sur pourquoi j'ai arrêté la salle, parce que franchement... On n'est pas bien là pour s'entraîner, sans déconner, sans mentir. Franchement, voilà, les petits sont là. Là, vous avez Kalel. Et là-bas, tout là-bas, vous avez Isco. Franchement, je vous expliquerai les raisons qui ont fait que. Mais voilà, sur ce, moi, je vais aller courir avec tout mon matos, mon appareil, etc. Mais bon, c'est des choix, hein. De toute façon... Faut savoir ce qu'on veut, enfin bref, je vous expliquerai tout ça. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie d'un peu mettre le nez hors de la salle. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous.